Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va lire une lettre de Rabbi Nathan. Et Bezrat Hashem, on va essayer de prendre des forces avec l'aide de Dieu. Alors, il dit comme ça à son fils dans la lettre qu'il était, au moment où il écrivait la lettre, il concentrait toute son intention, Rabbi Nathan, son attention sur le thème des secrets, des intentions du mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois qui précède les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il y a une grande préparation et il y a beaucoup d'intentions dans ce mois, des grands secrets. Donc, il était en train de s'attarder là-dessus. Et il dit que le message principal qui ressort de tout cela, et le suivant, c'est que chaque homme, il doit absolument chercher sans relâche ses pertes. D'accord ? On parlait de tout à l'heure, avant le cours, des pertes, c'est-à-dire des avédotes. On a perdu des éléments et qui nous manquent dans notre âme et qui nous freinent dans notre développement spirituel. Et je dirais même matériel, parce que dans tout est lié. C'est-à-dire que maintenant, un homme, une femme, il est venu pour une certaine mission. Et il a besoin de certains éléments qui lui manquent et qu'il a perdu dans des vies antérieures, qu'il a perdu dans la vie dans laquelle il vit. Mais beaucoup de choses qu'il a perdues dans des vies antérieures et qu'il doit compléter, parce qu'il n'est pas là dans ce monde juste pour faire une balade et du tourisme. S'il est là, c'est qu'il a, à partir du moment où il est né jusqu'au moment où il va quitter cette terre, alors il faut savoir que il a une mission à accomplir. Et donc la recherche des pertes, des éléments qui lui manquent dans son âme, c'est ça ce qui s'appelle chercher sans relâche ses pertes. C'est ça pourquoi Rabbi Nathan il dit que ce qui ressort de cette étude du mois de Elul, ça veut dire des intentions qu'il y a dans ce mois-là, qui sont très très profondes, c'est ce qui en ressort. Ça veut dire de chercher après les choses que nous avons, qui nous appartiennent, mais qui nous manquent, et que nous, on doit chercher pour compléter toutes ces choses-là. Et il nous dit que cette démarche de demande et de recherche, donc on voit que demande et recherche, c'est-à-dire que il y a la recherche, c'est comme si maintenant vous allez chercher un objet que vous avez perdu, d'accord, dans la maison, vous le cherchez, mais il y a aussi une demande. Donc il y a une démarche qui passe par la demande. La demande, c'est la prière. C'est-à-dire que maintenant, je suis conscient qu'il me manque des éléments
Et c'est important pour moi, je comprends que c'est important pour moi de chercher ces éléments et de les récupérer. Mais maintenant, comment je vais faire pour les récupérer? En demandant à Dieu, mais d'abord en sachant qu'il me manque des choses. Parce que si quelqu'un ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, pourquoi il va demander? Donc s'il se prend conscience qu'il lui manque des choses, des éléments, alors il va pouvoir demander. Donc c'est ça, chercher ses pertes, c'est une démarche de demande et de recherche. Et que cette demande et cette recherche, elle s'opère essentiellement à la lumière des chemins qui ont été dévoilés par Rabbi Nachman, dans la sixième leçon du Likutei Moharan. Alors la sixième leçon du Likutei Moharan, dedans, il y a toutes ces intentions du mois de Elul qui sont cachées à l'intérieur. Il y a beaucoup de sujets, c'est un enseignement qui est assez long. Et dedans, donc, il y a cette recherche des pertes. Alors, elle a comment dirais-je, une méthode. On peut pas faire n'importe quoi. Et il nous dit qu'est-ce que c'est la méthode. Donc, dans cette sixième enseignement qui renferme les secrets des intentions du mois d'Elul, c'est qu'en fait, tout cet enseignement, il est basé sur un verset. C'est quoi ce verset? C'est un verset du roi David qui dit que si Shamaim Shamata, si maintenant j'escalade et que je monte dans les cieux, alors tu es là-bas. C'est-à-dire que maintenant, moi, on parle maintenant. Cette première partie du verset, elle parle de quelqu'un qui est dans un état de montée, d'ascension, il est dans un bon, il est en train de monter, d'accord? Donc quand il est en train de monter dans les cieux, alors Dieu il est loin, parce que quelqu'un qui monte et qui s'arrange, qui essaye de faire des efforts, alors il a une impression qu'il s'est rapproché de Dieu. Mais en fait, quand il va monter, il va se rendre compte que Dieu, il ne l'a pas encore attrapé. Il ne le connaît pas encore. Donc Dieu, il est loin encore. D'accord? Ça, c'est la première partie du verset. Deuxième partie du verset. Et si je tombe dans l'enfer, dans le Sheol, c'est l'enfer, alors que ça veut dire que l'enfer, c'est ma couche, c'est là où je gis, c'est là où je suis maintenant, je suis dans l'enfer. Alors, te voici. Quand je monte dans le ciel, tu es là-bas. Quand je descends en enfer et que alors je te trouve, d'accord? Alors toute cette, si vous voulez, les intentions du mois de Elul qui sont en fait de se mettre en quête de nos pertes, c'est pas seulement pendant le mois de Elul. Le mois de Elul lui caractérise toutes les intentions qu'il y a à l'intérieur du mois. Mais en vérité, c'est un travail qu'il faut faire toute l'année et toute la vie, d'accord? Mais on va dire que le mois d'Eloul, c'est quelque chose qui nous recadre par rapport à ça, et c'est là où on va pouvoir s'approcher plus de la chose, parce que ce travail au mois d'Eloul, il nous prépare à la fête de Rosh Hashanah, de Kippour, etc. Donc c'est une nouvelle année, mais vous voyez que le dernier mois de l'année, eh bien, on s'affaire à se reconcentrer finalement sur notre venue sur Terre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici, c'est pour récupérer des éléments, des parties d'âme qui sont des que c'est des pertes que j'ai, que de les récupérer. Donc on voit que toutes ces intentions du mois d'Eloul, elles sont autour de ce verset-là qu'on a dit, c'est-à-dire que quand on monte dans le ciel, alors Dieu il est loin, mais quand on descend dans l'enfer, alors le voici. Alors en fait, ça fait référence à l'expertise. Rabbi Nachman, il parle dans cet enseignement numéro 6 qu'il faut être expert dans la loi. C'est-à-dire, c'est quoi dans la loi? Dans le chemin. Dans les chemins, il y a un chemin et il faut être expert dans ce chemin. C'est en fait le principe du va-et-vient. Ça veut dire que de rentrer et sortir. Ça veut dire quoi? Le va-et-vient, rentrer et sortir. Ça veut dire que dans la vie, il y a des moments d'élévation et il y a des moments de déclin. Il y a des moments où on va être en forme, où on va sentir qu'on avance,
on va sentir qu'on comprend, on va sentir qu'on est dans une bonne phase, comme on dit, d'accord? Ça s'appelle l'élévation. Mais il faut savoir aussi que dans la vie, il y a des phases de déclin. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas averti, qui sait pas qu'il y a des moments d'élévation et des moments de déclin, alors quand il va vouloir se mettre au travail et qu'il va s'élever, il va croire qu'il va s'élever comme une fusée et que ça va monter, 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 mais ça marche pas comme ça. Et quand il va arriver au déclin, alors il va se décourager. Alors que Rabbi Nachman, il nous dit qu'il y a deux, si vous voulez, ce va-et-vient, c'est-à-dire cette entrée, cette sortie, ça veut dire l'élévation et le déclin, c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours et sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On voit bien même que, même dans la journée, même sans parler d'événements, mais vous voyez par exemple la création de Dieu, le matin, il y a une élévation. Le jour se lève. Il fait beau, même s'il fait pas beau, mais il y a la lumière du jour. Et on sent quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Petit à petit, la journée, elle passe et il y a un déclin, c'est la nuit. Donc on voit que il y a des phases et ces phases-là, elles sont chez l'homme et dans sa vie. Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'en effet, donc on a expliqué ce que ça veut dire. En fait, cette notion, on l'avait déjà étudiée, qui est en résumé, que pendant les périodes d'élévation, alors il faut rester conscient de la grandeur infinie de Dieu, et donc d'où la nécessité de continuer à redoubler d'efforts. C'est-à-dire quand une personne elle fait des efforts et que ça marche pour elle, alors elle doit encore faire plus redoubler d'efforts pour s'élever. Mais quand elle va se retrouver dans des périodes de régression, c'est-à-dire qu'elle revient en arrière, alors il faut être conscient que Dieu, il est aussi là, il est avec lui, et que nous le trouvons même dans les moments de déclin, et que rien réellement peut nous séparer de Dieu. C'est pas possible. Donc, si vous voulez, on nous donne le schéma de la vie. Et c'est encore, si vous voulez, un angle pour voir comment ça marche. Tout simplement, c'est-à-dire que maintenant une personne, et on voit ce phénomène d'élévation et de régression, d'accord, et de déclin, ça se passe même dans le monde du travail, dans le monde de la vie, même si on enlève le spirituel, on voit qu'il y a des montées, il y a des descentes. Seulement, il faut être préparé à ça, et ce que ça veut dire être expert, ça veut dire que maintenant, je vais avoir une attitude par rapport à chaque phénomène. C'est-à-dire que quand je vais être en élévation, alors je vais avoir une attitude. Maintenant, quand je vais être en période de déclin, alors je dois avoir une autre attitude. Parce que si vous voulez, une personne qui est en train de s'élever et qui travaille et qu'après il se retrouve dans un moment de déclin et qui ne sait pas le vivre, ça peut être une catastrophe. Ça peut être très dangereux parce que il peut complètement se décourager. Il pensait qu'il était, il était, il fait des efforts et maintenant il se retrouve si vous voulez, à revenir en arrière. Donc c'est quelque chose de très très difficile. Et donc ça c'est ce qu'on a expliqué, ce principe de va-et-vient. Et donc il nous dit que celui qui a le mérite d'accomplir réellement ce qu'implique ce fameux verset, donc il va accomplir ce verset, ça veut dire que quand il va être en mode d'élévation, c'est-à-dire qu'il va être s'élever, que dans sa vie, les paramètres de sa vie, ils sont bien. Tout fonctionne, ça fonctionne, ça peut être une période, ça peut être, d'accord? On va dire que généralement ça va pas trop mal. Alors, il va continuer à avancer et faire des efforts. Et quand il va se retrouver dans un moment de déclin, alors il va savoir que Dieu il est avec lui et que là-bas il faut le chercher parce que Dieu il est toujours là. C'est ça qui nous révèle Rabbi Nachman. C'est-à-dire que de trouver Hachem, de toutes les façons, il nous fait montrer Rabbi Nachman dans cet enseignement. D'après ce verset, que même quand on s'élève, ce qui amène le déclin, c'est parce qu'on croit qu'on a trouvé Dieu. Dieu, ça, toute la vie, on le cherche, et toute la vie, on fait connaissance avec lui, et toute la vie, petit à petit, on dévoile des facettes. En fait, ce qu'on dévoile,
c'est que les éléments, ces pertes qu'on a perdues dans des réincarnations, etc., alors elles se présentent à nous. Et donc, on doit faire des efforts pour pouvoir les retrouver, ces pertes-là. Mais si vous voulez, quand il a ce principe d'élévation et de déclin, ça veut dire de va-et-vient, qui connaît la manière de vivre une élévation et qu'il sait comment vivre un déclin, alors il a touché l'intention profonde du mois d'Eloul, ça veut dire le message du mois d'Eloul, que ça veut dire de nous préparer, que toute la vie c'est une montée et une descente. Il devient donc capable de réclamer et de chercher ses pertes. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, une personne, l'être humain en général, si vous voulez, il va être dans un bon contexte, il va bien se sentir quand ça va bien. Et donc, il peut essayer de chercher Dieu quand ça va bien, parce que tout est évident, et donc voilà, rien ne les dérange, alors ça va. Mais le problème, c'est que quand il va être en déclin, il va être complètement dans l'obscurité, il va pas voir Dieu. Mais ce qui nous explique Rabbi Nachman, c'est que c'est peu importe où on se trouve, qu'on soit en haut ou en bas, Dieu, il est là partout, et que quand on est en haut, alors il faut continuer à le chercher en s'empressant de faire encore plus d'efforts parce qu'il est là-bas. Plus on monte, plus on voit qu'il est très loin. Et quand on tombe dans l'enfer, alors le passouk, le verset dit: te voici, Hachem, il est là. En fait, il faut savoir que une élévation, elle s'accompagne automatiquement dès qu'on a une élévation. C'est un sentiment extraordinaire de se bien se sentir, de se sentir en connexion, etc. Mais il y a des fois toutes sortes d'écorces qui viennent, toutes sortes de choses qui viennent se coller à cette élévation et qui peuvent être de l'orgueil, c'est-à-dire une certaine forme de. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. C'est-à-dire que maintenant, waouh, moi j'ai. C'est quelque chose de particulier d'avoir chacun l'a ressenti, de ressentir Hachem, de sentir que Dieu il est avec nous. C'est des choses très 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 fortes. Mais il y a le comment dirais-je, le mauvais penchant qui vient nous amener toutes sortes d'idées, des fois d'orgueil. Dès qu'on arrive à faire par exemple une bonne action et qu'on a réussi, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, automatiquement, on prépare le déclin. C'est-à-dire que le déclin, ça veut dire que Dieu va nous mettre dans une situation où on va être obligé de un petit peu goûter à l'obscurité. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette évidence de proximité avec Dieu. Et c'est là où, si vous voulez, où, alors, comment on va la vivre? Comment on va la vivre? C'est-à-dire que maintenant, je ne vois plus rien. Plus rien n'est évident, mais Dieu, il est avec moi dans ce moment-là, et c'est justement là, quand j'ai compris ce principe d'élévation et de déclin, c'est-à-dire ce psaume-là, ce verset, que quand je monte, alors ça c'est l'élévation, Dieu il est loin, et que quand je descends, Dieu il est avec moi, d'accord? Quand je comprends ce principe-là, c'est-à-dire que je le vis et que je vais l'appliquer, à ce moment-là, alors je suis prêt à demander et à chercher mes pertes. C'est-à-dire que je suis, si vous voulez, paré, j'ai les outils, je suis paré pour maintenant partir à la recherche de mes pertes. Vous voyez, voilà le processus. En fait, toute notre venue sur Terre, c'est pour chercher ces éléments qu'on a perdus, encore une fois, dans des incarnations précédentes, des vies antérieures, et que, voilà. Donc, mais la tâche, elle est rendue difficile. Parce qu'il faut beaucoup réclamer et chercher. Et pendant ce temps où on réclame et on cherche, alors l'homme, il va rencontrer toutes sortes de déboires. Et oui, c'est la vie. La personne, elle cherche, elle est comme dans un sperse de labyrinthe, elle cherche
D'accord? Et pendant ce temps-là, sur son chemin, alors il y a pas mal de déboires. Et d'autant plus qu'en général, ces pertes, elles se trouvent, il nous dit Rabbi Nathan, dans un désert aride. Que c'est un endroit qu'on peut la qualifier de tohu vavohu, tohu bohu. C'est complètement inversé, mélangé. Et l'homme, il peut s'y perdre, comme une brebis égarée. Comme c'est marqué dans le psaume du roi David, qu'il errait dans le désert par des chemins désolés. Alors c'est exactement, sachez une chose, et c'est que la venue de chacun sur terre, il vient dans un désert, d'accord, avec des chemins qui sont complètement perdus, désolés, d'accord, et que maintenant, lui, il doit se mettre à l'œuvre pour demander et chercher. Chercher et demander, d'accord? Et c'est pas évident. Il lui dit, Rabbi Nathan à son fils, tu peux comprendre par toi-même à quel point il faut se renforcer et tenir bon lorsque l'on est contraint de traverser de telles zones pour rechercher des pertes de longue date. C'est dès qu'on va commencer à chercher, parce qu'on sent finalement qu'il y a autre chose que la vie. La vie, il y a quelque chose dans cette vie qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, c'est-à-dire notre réponse à chacun de nous. Pourquoi je suis venu sur Terre? J'ai des choses qui me manquent que je dois trouver, que je dois chercher. Mais quand on va se mettre à les chercher, on va être obligé de passer, puisqu'il se trouve ces pertes-là, dans des déserts. D'accord? Et des chemins qui sont complètement éloignés, qui sont complètement désolés. Donc ça veut dire que ces zones-là, c'est des zones d'état d'âme, où la personne, que quand elle va les chercher, automatiquement, elle va se retrouver dans des endroits désertiques. Ça peut être dans sa tête, hein, parce que à l'intérieur de lui. Et donc, il doit chercher et trouver des pertes datant de précédentes réincarnations. Et donc, c'est impossible d'empêcher qu'au cours de toutes ces investigations, de toute cette recherche, alors qu'il va encore égarer des choses. Parce que c'est maintenant, lui, il vient pour récupérer des choses qu'il a perdues. Mais maintenant, il nous dit, mais quand il va partir à la quête de ses pertes, il va perdre d'autres choses. D'accord? Comme c'est fait allusion, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il le dit dans la leçon 88. Il parle de ça, que quand il va partir à la recherche de ses pertes, alors il va en perdre d'autres aussi. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que même les justes, les tzadikim, qui procèdent à des fouilles pour trouver leurs pertes à eux, ils peuvent aussi parfois eux-mêmes égarer encore d'autres éléments. Donc on vient chercher des éléments qui nous appartiennent et qu'on a besoin, qui sont vitaux. Mais quand on va se mettre à chercher, on peut se retrouver aussi à perdre d'autres éléments, d'autres pertes. Alors, a fortiori, à plus forte raison, combien les autres hommes sont-ils victimes de ce danger? C'est-à-dire nous, si les tzadikim, eux, de leur côté, ils connaissent ce phénomène, et donc à plus forte raison, des gens, d'accord, les autres hommes qui passent par ce danger-là. C'est pour cette raison que l'exil, en général, et ainsi que l'exil personnel de l'âme de tout un chacun, donc il y a un exil général. L'exil de chacun, du monde entier, la terre, tout ce qui se passe sur terre, etc. L'exil dans lequel on est. Et il y a l'exil personnel. Chacun, où il est avec son esprit, avec lui-même, combien il est connecté avec lui-même, combien. Tout ça, en fait, l'exil, c'est quoi? C'est que quand on n'arrive pas à trouver Dieu, ça s'appelle l'exil. Et on doit remédier à cette chose-là, parce que le but, c'est d'arriver à se connecter pour retrouver toutes ces pertes-là. Et donc, il y a l'exil général et l'exil de chacun, et qui se prolonge très longtemps, depuis longtemps. Tout ça résulte de ce que nous venons d'expliquer. Voilà, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire que maintenant, pourquoi ça dure aussi longtemps? Parce qu'on œuvre pour chercher ces pertes, mais en attendant, on perd d'autres choses. C'est pour ça que tout homme qui tient à avoir pitié de lui-même
Il doit sans cesse raffermir son cœur afin de ne jamais se décourager, de chercher et de demander, quoi qu'il en soit. Voyez, en fait, c'est pas de trouver qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de chercher. Je vais vous raconter une histoire, les amis, qui m'est arrivée. J'étais à Lyon. Et donc, pour partir avec un ami. Et on devait rentrer en Israël, d'accord, de Genève. Et donc, l'avion, il était le matin, je crois, 11h du matin. Maintenant, un jour avant de rentrer, j'ai dit, bon, on rentre de toutes les façons, je vais peut-être faire un tour. Je voulais faire un crochet par Ouman. Et rentrer de Ouman, sans changer le billet, ça veut dire de prendre que le retour, il soit de Kishinev. Je prenais juste un... Voilà, ça faisait un petit crochet. Bon, bref. Et donc, je me suis renseigné parce que je voulais repartir, que ce qu'on soit en même temps avec mon ami. Ça veut dire que lui, je puisse aller à Genève et que moi aussi, je puisse partir de là-bas, que ça passe pas trop que je puisse trouver quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, c'est un avion qui part de Genève à Vienne, d'accord, une connexion de 1h30, et puis après je continuais de Vienne à Kishinev, c'est en Moldavie, d'accord, ces deux vols, le premier 1h30 et le deuxième 1h30 de vol, et au milieu 1h30 d'attente. Bon, ok, j'avais pas le choix, j'ai dit d'accord, et mon avion il était à 9h du matin, donc on est parti très tôt de Lyon, à 5h du matin on est parti de Lyon, et je suis parti à l'aéroport, et lui aussi, il a pris son avion après plus tard pour Israël. Maintenant, quand j'arrive à Vienne, je commence à faire ma tefila, ma prière. Je parle avec les enfants, la famille, etc. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, oulala, l'avion, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive dans une connexion. Je vais pour aller rentrer dans l'avion. J'avais juste une petite valise, j'avais pas enregistré une grande valise. Mon ami m'avait pris ma valise pour l'emmener en Israël. J'avais juste une petite valise, je partais juste pour Shabbat. L'avion, il était parti depuis un quart d'heure. Il n'y a plus d'avion. Et je suis comme ça, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'appelle mon agence de voyage. Et il a commencé à travailler, à chercher. Il m'appelle, il y a ça. Et c'était vraiment compliqué parce que c'était déjà 1h de l'après-midi. Bon, on n'est que jeudi. Mais Shabbat, il tombe tôt. Et puis, je ne suis pas à côté. C'est pas, peut-être que j'arrive, je prends le train de là-bas. On ne savait pas, on cherchait, il cherchait. À la fin, il m'a trouvé. Il m'a trouvé une solution. C'est que de Vienne, je parte à Bucarest, et de Bucarest, en Roumanie, j'aille à Iași, c'est encore un vol d'une heure, aussi encore en Roumanie. Ça veut dire que j'ai fait encore deux avions pour arriver à Iași, et là-bas, bon, finalement, je vous la fais court, je suis arrivé à Ouman à 7h30 le matin, vendredi matin. J'ai mis pour arriver à Ouman, depuis que je suis parti de Lyon et que je suis arrivé à Ouman, ça m'a mis 26h30. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le voyage lui-même, il est plus important que d'arriver. Parce que, si vous voulez, on est toujours on se prépare à quelque chose. Je me prépare à exister. Toute la vie, c'est ça. Et donc, maintenant, une personne, quand elle cherche des éléments, elle cherche des éléments qui lui manquent. Alors, si vous voulez, elle va passer par des zones. Et si vous voulez, c'est la route le plus important. Le principal, c'est de chercher, de demander. C'est pas de trouver. Parce que trouver, on sait pas comment ça se passe. On sait pas. Mais de chercher, de demander, puisque Hachem, il est infini. Donc, on cherche et on demande. Et ça, c'est quelque chose de très important que je voulais dire. Donc, c'est pour ça que... Donc lui, comme il va perdre des choses en route, et il risque, et c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Parce que, imaginez-vous, on va à la quête de chercher des éléments qu'on a perdus. Et quand on va à cette quête-là, c'est-à-dire qu'on demande et on cherche, on va perdre encore des éléments. Donc ça veut dire que maintenant, il y a tout lieu de se décourager. Et donc lui, la personne, elle doit continuer à chercher et demander quoi qu'il en soit. Même s'il a l'impression de perdre à chaque fois davantage. S'il s'acquitte malgré tout de son devoir et continue à chercher. D'accord? C'est ça le truc, c'est que son devoir, on lui demande de chercher. Et même s'il ne trouve rien, il doit croire qu'il trouve quand même, sans aucun doute, de nombreuses choses.
Pourquoi il trouve dans le moindre chose? Parce que quand quelqu'un il cherche, même s'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, mais juste de chercher, alors il va trouver des choses extraordinaires parce qu'il a fouillé. Parce qu'il a fouillé, alors il va trouver des choses. Parce que la peine qu'il va se donner, elle n'est pas perdue. Parce que rien n'est perdu. Même une seule intention, une bonne intention. Le fait de vouloir chercher, de chercher, et que même si on ne trouve pas, mais cette intention-là de chercher, elle est au-dessus de tout, elle a beaucoup de valeur. Et maintenant, si on prend l'éclairage, on va essayer de voir, on va comprendre une parole des Chachamim, des sages, de mémoire bénie, qui nous disent que si quelqu'un y déclare, je me suis donné bien de la peine, c'est la Gemara qui amène ça, le Talmud, je me suis donné bien de la peine, et pourtant, je n'ai pas trouvé. Donc, il y a une personne qui dit, moi, j'ai travaillé, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup cherché, et j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit, j'ai cherché, je me suis donné la peine et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. D'accord? Alors, on n'a pas le droit de le croire. Mais par contre, si quelqu'un déclare, je me suis donné bien de la peine et j'ai trouvé, alors crois-le. Maintenant, une question qui se pose. C'est quoi la question? Pourquoi nos sages, ils utilisent cette expression de dire crois-le? On n'a qu'à vérifier. Si quelqu'un, il a dit, je me suis donné de la peine et j'ai trouvé, t'as pas besoin de le croire puisque tu vois qu'il a trouvé. Il a qu'à te faire montrer ce qu'il a trouvé. D'accord? C'est alors pourquoi les Chachamim, pourquoi les sages, ils s'utilisent cette expression que si quelqu'un, il a cherché, il s'est donné de la peine, crois-le. On n'a qu'à dire, t'as pas besoin de croire, t'as qu'à regarder, tu vas voir qu'il a trouvé, puisqu'il t'a dit qu'il a trouvé. Alors en fait, la réponse est la suivante. C'est que en réalité, il est possible que cet homme, il a fourni beaucoup, beaucoup d'efforts, et qu'il ait pourtant l'impression de n'avoir encore rien trouvé. Il n'a rien trouvé encore. C'est pour ça qu'il prétend, je me suis donné bien de la peine, et je n'ai pas trouvé. Mais toi, pour ta part, d'accord? Le premier, il disait, moi, j'ai pas trouvé, j'ai fait des efforts, mais j'ai pas trouvé. Mais toi, pour ta part, ne le crois pas. Dis-lui plutôt de croire au principe, je me suis donné bien de la peine et j'ai trouvé. C'est ça qu'il faut lui répondre. Pourquoi? Même si ses mains vides témoignent du contraire, ça veut dire qu'en vérité, il a rien, il a cherché, il a demandé, il a cherché, mais il a rien trouvé. Alors, il faut adhérer à la foi parfaite et à la conviction que sans aucun doute, il a trouvé beaucoup de choses. En effet, beaucoup sont ceux à qui le ciel cache jusqu'au bout ce qu'ils ont trouvé. C'est comme ça. C'est Hachem qui décide. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qu'au fond d'eux-mêmes, ils se posent vraiment des questions. Ils ont l'impression vraiment qu'ils ne font rien. Ils ont l'impression de, ça remplit pas leur vie ce qu'ils font, et donc ils ont l'impression qu'ils, si vous voulez, que comme si que le ciel il leur cache jusqu'au bout ce qu'ils ont vraiment trouvé, ce qu'ils ont cherché. Mais d'autre part, même si cet homme il n'a vraiment rien trouvé, il a malgré tout découvert beaucoup de choses uniquement en s'évertuant à fouiller, que en fouillant, parce que sa recherche et ses efforts eux-mêmes ne sont certainement pas perdus. C'est sûr qu'ils ne sont pas perdus. Ainsi donc, il nous dit Rabbi Nathan, si tu entends, je me suis donné bien de la peine et j'ai trouvé, alors crois-le. Tu dois le croire. Pourquoi tu dois le croire? Parce qu'on croit, on maintenant comprend ce que ça veut dire croire. Le verbe, ça veut dire quoi ce verbe croire? Il a été bien choisi par les Chachamim, par nos sages, puisque loin d'être une chose insignifiante. Vous voyez ce qu'ils nous disent les sages, que de chercher, ce n'est pas insignifiant. C'est loin d'être insignifiant. C'est au contraire un élément fondamental de notre foi que de croire à cela. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on nous demande, ce que Dieu nous demande, t'occupe pas de ce qui se passe avec toi. Toi, tu dois chercher et demander. T'occupe pas de ce qui se passe avec toi. Ne t'occupe pas. Parce que de toutes les façons, parce que tu cherches, c'est quoi chercher? Chercher, c'est la princesse en exil. Chercher, c'est chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est des éléments dont on a besoin. Et si, je voulais dire une chose, si une personne, elle ne le fait pas,
elle peut pas arriver au bonheur. C'est pas possible. Parce qu'il lui manque des éléments. Elle peut faire semblant. Mais c'est pas ça. Il lui manque quelque chose d'essentiel. Des éléments dont elle a besoin. Maintenant, le fait de faire des efforts pour chercher ces pertes-là, et que même qu'on n'a pas de résultat, mais il faut savoir qu'en attendant, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que maintenant, on se retrouve extrêmement, finalement, renforcé dans le service de Dieu, grâce à cet enseignement. Et que dorénavant, ce qu'on désigne dans notre vie, c'est deux choses. C'est la requête et la recherche. Demander et chercher. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire, les amis. On nous roule dans ce monde. On nous fait croire qu'on doit avoir des résultats. Maintenant, quelqu'un qui cherche, même s'il n'a pas trouvé, sachez qu'il est entouré de providence divine, on lui envoie des signes. Il n'est pas perdu. Trouver, c'est trouver. Trouver, vous savez, c'est quoi? Trouver, ça veut dire que ça y est, je me suis complètement libéré de toutes les choses qui me dérangent, qui me font écran avec Dieu. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé mes pertes. Mais c'est pas quelque chose de facile. Mais au moins, avec ce que les tzadikim nous enseignent, Rabbi Nachman, ce qu'il nous enseigne, il nous fait montrer c'est quoi le chemin, comment on fait. Comment on fait, comment on commence en tout cas à chercher et à demander. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est la requête et la recherche, et que l'ensemble des efforts et du labeur, il doit être dans les bonnes choses, ou dans l'étude de la Torah, ou dans la prière, ou dans les choses qui, si vous voulez, qui vont nous donner. Qui vont nous donner un éclairage, qui vont nous éclairer la vie. Et quand on parle de la prière, c'est-à-dire de cette recherche, que de déverser devant Dieu tous nos propos personnels, tout ce qu'on a sur le cœur, c'est ça, et c'est comme ça qu'on cherche, c'est comme ça qu'on cherche tous ces éléments. Parce que finalement, quand on se met dans une posture de demander à Dieu, c'est-à-dire que on sent qu'il nous manque des choses. Maintenant, si on manque des choses et que on baisse les bras et qu'on dit bon, d'accord, c'est comme ça. Alors ça s'appelle pas bien, pas bon. Parce que même si on voit que il nous manque des éléments importants dans notre vie, dans notre neshama, mais le fait de chercher, c'est déjà la personne elle est déjà sur le chemin. Elle est déjà sur le chemin dans la mesure où qu'on ne lui demande pas de trouver, on lui demande de chercher. Et entre parenthèses, je voulais dire une chose, c'est que cette recherche-là, finalement, on nous prépare dans ce monde tout simplement à faire l'exercice de la recherche. La recherche de Dieu, la recherche des éléments qui nous manquent. Parce qu'après, dans l'autre monde, ça continue. Et maintenant, si dans ce monde-là, on a appris à vivre les élévations, à vivre les rechutes et de savoir comment les revivre, alors ça veut dire qu'on s'est habitué toute notre vie à chercher Dieu dans toutes les situations. Mais on n'a jamais trouvé. C'est pas qu'on a trouvé, c'est que maintenant, il y a des fois où on est en haut et après on revient. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on a trouvé, parce que qu'est-ce qui s'appelle trouver? C'est ça y est, j'ai trouvé. Mais peu importe. Parce que dans ce monde-là, on nous apprend à monter et à descendre. Il faut savoir monter, il faut savoir descendre. Et Rabbi Nachman nous dévoile ce secret-là. Mais quand la personne elle a ces choses-là, alors après, cette expertise, il nous dit, Baki, ça veut dire, il est expert dans ce chemin-là. Le chemin qui monte et le chemin qui descend. Ici, il est expert. Il sait comment se comporter dans toutes les dans, dans tous les dans toutes les dans toutes les situations. Et donc il nous dit qu'à part la prière personnelle, aussi la bonne à volonté, l'aspiration et les désirs ardents. C'est-à-dire que maintenant une personne elle peut être même dans la boue et aspirer à sortir de la boue, aspirer à quelque chose de beau, à quelque chose de bien. Et ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. C'est ça qu'il nous dit ici. Parce que
Trouver, qu'est-ce que ça veut dire trouver? Vous voyez, les gens, ils trouvent, ils cherchent, et s'ils n'ont pas trouvé, alors ils arrêtent de chercher. C'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas ça, c'est de chercher, parce que ce qu'on cherche, c'est quelque chose de très, très précieux. C'est finalement le but de notre vie. Ces éléments dont, que nous avons perdus, c'est ça qu'on cherche. Et Rabbi Nathan, il nous dit qu'ils sont, tous ces éléments, ils sont dans un désert. Donc, il faut vraiment s'armer d'aspiration et de désir ardent, qui en fait, l'aspiration et le désir ardent, c'est une personne qui est animée par le fait de vouloir trouver. Alors elle est animée quand elle réclame, elle recherche, elle est animée par ces choses-là, par ce désir ardent. Et grâce à ce nouvel éclairage qui nous fait Rabbi Nathan, alors on peut vraiment se renforcer à tout moment. À tout moment, parce que ça veut dire que maintenant je sais, il faut le savoir, on nous le dit clairement. On sait qu'on va monter et on sait qu'on va descendre. Maintenant, quand tu montes, ne t'oublie pas, arrête de croire que ça y est. C'est non, non, parce qu'après ça va redescendre. Mais là, au moment où tu montes, fais tous les efforts, fais le maximum pour comme on dit, amasser, mettre de côté. D'accord? Et que quand après tu vas descendre, et des fois ça peut être dans une même journée, ça peut être dans la même journée, plusieurs fois dans la journée. Mais le but, c'est d'arriver à être expert dans tous ces chemins-là. Et parce qu'il nous dit Rabbi Nathan qu'on est malgré tout obligé de réclamer et de chercher davantage. À l'image d'une personne en quête de choses perdues dans le domaine matériel. Et que si on parle de chercher des choses, on voit bien qu'une personne qui fait des efforts pour le matériel, c'est pas quelque chose qu'il va trouver en une seule fois, même dans le niveau, au niveau matériel. D'autant plus grand, il s'agit de pertes aussi importantes, pour lesquelles il est nécessaire de consacrer tous les jours de sa vie afin de les réclamer et de les rechercher. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Quoi qu'il en soit, nous sommes grandement réconfortés par le principe en lequel nous croyons véritablement et qui prône que nos efforts ne sont pas vains. Vous comprenez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, on revient toujours sur cette chose-là. On est dans un monde d'action. Et le monde de l'action, si vous voulez, dès qu'une personne n'arrive pas à agir, alors elle est mise de côté, elle est hors concours. Même vis-à-vis d'elle-même, elle a l'impression. Alors que ce n'est pas ça. Le principal, c'est de demander et de chercher. C'est ça le principal de la vie. C'est ça le principal dans la vie. Parce que rien que le bénéfice qu'on acquiert uniquement grâce à nos peines et à notre démarche, même si on n'a pas de résultat probant, c'est un très grand bénéfice, incommensurable, supérieur à tout l'or du monde, il nous dit Rabbi Nathan, et qui est du domaine du jamais vu. En vérité, ce qu'il veut nous dire, dans d'autres termes, Rabbi Nathan, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte que quand on fait des efforts, et qu'on peine dans l'effort, et qu'on voit pas de résultat, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est pas qu'on a pas, on est en train de trouver des choses extraordinaires, mais seulement on nous les cache. D'accord. On va les trouver. Ça veut dire elles vont se révéler à nous, même si on n'a pas trouvé ce qu'on cherche. Mais en attendant, on ramasse des choses, des trésors extraordinaires. Et en plus de ça, notre cœur, il va se trouver encore plus affermi dans la certitude qu'on n'aura aucun doute de le mérite de retrouver en fin de compte. En fait, ce qu'il nous dit, il y a une condition, c'est de tenir bon et de poursuivre constamment notre recherche et notre quête. Donc, à la fin, finalement, le chemin, à la lumière de cet enseignement numéro 6 de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, dans l'Écoutez Moran, et Rabbi Nathan, il a écrit à son fils, il ramène tous les éléments qu'il y a dans cet enseignement, mais la chose qui est sûre, c'est que si une personne, elle cherche
et elle demande, elle prie pour rechercher ses pertes, c'est sûr qu'à la fin, il va les retrouver. Et ça s'appelle un homme, une femme accomplie, ça veut dire, ça y est, il a réparé. Mais seulement, il faut tenir bon, parce que c'est pas, voilà, c'est pas, il faut tenir bon, il faut se renforcer, il faut se renforcer. Mais c'est ça le but de la vie, les rattachements. Voilà, les amis. Oh. Attendez. Mais comme vous parlez des pertes, vous parlez des pertes à un très haut niveau qu'on ne sait même pas ce qu'on cherche ou tout simplement des lacunes et des aspirations de chacun? D'abord, savoir, on ne sait pas ce que c'est. Mais il nous manque des choses. C'est des C'est-à-dire que morceaux. quand vous parlez des pertes, vous parlez de quelque chose de trop grand pour nous qu'on ne comprend même pas. Non, non. Nous, ces choses-là, elles sont mises sur notre route. Notre but, c'est que dès qu'on met les pieds sur terre, comme on dit, eh ben, c'est de chercher ça. Et de toutes les façons, même si une personne, elle ne connaît pas tous ces enseignements, même si une personne, elle connaît rien de tout ça, d'accord? Et qu'elle vit sa vie, intérieurement, il y a quelque chose, il y a un moteur qui cherche en elle. Maintenant, quand vous mettez des mots sur cette recherche, alors ça fait tilt. Ça veut dire que la personne, elle sent qu'il y a oui, parce qu'il manque, une personne, elle cherche quelque chose. Elle cherche en fait, c'est un moteur que Dieu, il a mis dans cette personne, qui cherche sans arrêt ses pertes. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, on n'est pas venu pour autre chose. On a perdu des éléments, on a perdu des trucs dans d'autres vies. Et il nous dit que voilà, de chercher, ça nous fait aussi rentrer, parce que d'aller les chercher, c'est d'aller les chercher dans des endroits très, très, très obscurs, très désertiques. Mais Mais... nous, qu'est-ce qu'on ressent à titre personnel de ces pertes? On ressent des lacunes, on ressent des manques, on ressent des Ben, imperfections, c'est ben, ben, ça? tout simplement, Qu'on cherche? les montées et les descentes qu'on a dans notre vie. De tous les éléments qui nous entourent, c'est en fait pour débloquer toutes ces pertes-là. Si on était horizontal, c'est-à-dire que tout est, comme on dit en musique, flat, c'est vraiment, il y a rien, c'est droit, et il se passe, ça monte pas, ça descend pas, d'accord? Comment la personne elle peut chercher quelque chose là-bas? C'est impossible. Donc si vous voulez, il nous manque des éléments. Il nous manque des choses dans notre âme, mais chacun peut le ressentir. Chacun peut le ressentir. Tout simplement, je veux dire, c'est quoi manquer? Imaginez-vous quelqu'un, il a un problème ou de santé ou de. Pourquoi il n'arrive pas à trouver Hachem à ce moment-là? Et qui peut tomber dans le découragement ou dans la tristesse et tout ça. Rabbi Nachman, il vient, il te dit, regarde, ce qui est en train de se passer avec toi, c'est parce qu'il te manque, si tu étais là, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Si tu avais cette chose-là, tu serais dans un autre état. Tu serais dans un. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui nous manquent. Que ce soit au niveau de la santé, si, au niveau même, vous savez qu'une personne, elle peut avoir des dons cachés. Des dons qui sont cachés. Qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Ça s'appelle aussi des pertes. Entre parenthèses, pour revenir à ce qu'on parlait avant le cours, puisqu'on parle des pertes. Quand j'étais à Ouman, Mina Shamaim, je me suis retrouvé avec ma fille, elle a une amie qui amène des gens à Ouman, des jeunes filles, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle m'a demandé de faire un cours. Et le Motsé Shabbat, je leur ai fait un cours avec la guitare et tout ça. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Ouman, ils savent pas du tout. Ils sont attirés, ils viennent. C'est incroyable le nombre de dames qui arrivent là-bas, de jeunes filles. C'est incroyable. Je vous parle de maintenant, hein. C'est plein, c'est plein. Les hôtels, ils sont pleins, les gens, ils viennent le Shabbat, ils repartent, c'est incroyable. Et je me suis rendu compte que les gens qui vont là-bas, ils viennent parce qu'il y a un aimant qui les attire, mais véritablement, ils savent pas ce qui se passe. Comment je m'en suis rendu compte? Eh bien, j'ai parlé des pertes. La jeune fille qui avait organisé le voyage, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez parler des pertes? Alors, je leur ai expliqué, je leur ai dit, il nous manque des éléments qu'on a perdu et que maintenant il faut les retrouver. C'est des morceaux de puzzle, on est obligé de les retrouver. Maintenant, le tzaddik, lui, il a fait ce travail sur lui-même jusqu'à qu'il arrivait à constituer toutes ses pertes et qu'il a trouvé tout ce qu'il a perdu et qu'il est complet. À partir du moment qu'il est arrivé à ce degré-là, alors maintenant, lui, son travail au tzaddik, c'est de chercher les pertes des autres.
et de lui donner. C'est pour ça qu'on va à Ouman. C'est un des, c'est-à-dire que quand on va là-bas, le tzaddik, il va donner à la personne. Mais attention, il y a une condition qu'il dit dans cet enseignement. Il dit, il veut voir si c'est pas un escroc, si c'est pas un ramaï. Parce que vous savez, une personne, vous pouvez lui donner ses pertes. Par exemple, un don caché. Et puis donc, il va prendre ce don, il va commencer à s'envoler et à prendre le don et pas l'utiliser pour des bonnes choses. Donc, il veut voir s'il est sincère. Si est-ce que s'il va lui rendre ses dons, sa perte, est-ce qu'il va bien l'utiliser? Et donc, il va le tester. Il va le tester. Le tzaddik, il va le tester. Mais les pertes, elles sont chez le tzaddik. Il n'y a même pas besoin de chercher. Celui qui veut chercher ses pertes, il doit aller là-bas. Il doit aller chercher et demander. Maintenant, d'une manière générale, il faut demander et chercher sans arrêt. D'accord? Mais quand on arrive chez le tzaddik, lui, comme il a fait ce travail, que maintenant, lui, tout son travail, c'est tout le temps, il cherche les pertes des autres, c'est pour ça qu'on va là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a il y a des gens complètement différents les uns des autres. C'est incroyable. Incroyable. On peut trouver des gens qui n'ont rien à voir. J'ai vu, il y avait 25 filles. Mais vraiment, toutes différentes les unes des autres. Pas religieuses. D'accord? Elles étaient là-bas. Et quand je leur ai parlé, je lui ai dit, vous vous êtes pas rendu compte d'une chose. C'est que quand vous êtes là-bas, vous avez rien à voir les unes avec les autres. Mais le tzaddik, ça y est, vous êtes des sœurs. Quand on va là-bas, qu'on connaît des gens là-bas, après, il y a un contact qui se fait, quelque chose de très, très, très fort qui se fait. C'est le tzaddik qui fait ça. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui l'a pas vécu. Il lit les neshamot. Il lit les neshamot. Alors que ces gens-là, si je les avais rencontrés, j'aurais parlé avec eux. J'ai rien à leur dire. Ils sont pas du même monde que moi. Ils viennent dans chacun, hein, il a vécu avec des parents comme ça. L'autre, il a des trucs comme ça. Des histoires, mais incroyables. Et chacun là-bas, et les gens, quand je leur ai dit ça, pourquoi je vous dis que les gens, ils savent rien de quand ils vont en Oman? Parce que je les ai vus, ils ont commencé à pleurer, les filles. Ils ont commencé à sentir qu'il y avait quelque chose, qu'ils sentaient quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à mettre des mots dessus, une explication, quelque chose, une recherche. Et c'est ça la recherche. C'est ça, tout le cours qu'on a fait ce soir, c'est ce truc. On doit œuvrer à ce truc-là et que, en attendant, alors, on va passer par des trucs, mais c'est ça tout le monde. Mais si on n'a pas lâché, si on tient bon, à la fin, déjà, on va tout retrouver. Et c'est plus que ça. C'est qu'après, dans le monde d'après, on connaît, comme on dit, la rengaine. On va continuer encore à chercher. Même là-haut, il y a des montées et des descentes. C'est infini, on ne sait pas où ça va. Mais, voilà ce que, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan pour des gens comme nous. On est des gens très simples. Voilà ce qu'il nous dit. Et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Même quelqu'un qui est... À tout le monde, à toute l'humanité, c'est accessible ce qu'on vient de dire. C'est ça les enseignements du tzaddik. Ça veut dire n'importe qui, amenez-moi n'importe qui, ça le concerne. Voilà les amis. Ça me rappelle le cours que vous aviez fait sur le Ratson. Ouais. On nous expliquait que quand on était dans des situations difficiles, c'est pas la peine de perdre l'espoir, de penser qu'on va pas s'en sortir. Le ratson, c'est le gage de réussite. Là, c'est pareil, la volonté de vouloir chercher le faire. Non, mais avant, je vais vous dire une chose. Il y a un truc quand même à régler avant. Pour chercher, il faut être convaincu que j'ai besoin de cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si je vous disais, moi... Vous avez un bel appareil photo et vous devez sortir, vous en avez besoin, vous l'avez acheté pour l'événement et que maintenant il est dans la... Vous savez plus où il est. Alors vous avez la rage de le trouver, ça je peux vous le dire. L'appareil photo, faut le trouver. Alors quand vous savez qu'il vous manque l'appareil photo et que vous avez vraiment envie de le trouver, alors là vous allez le trouver. Vous avez compris? Il faut ces deux choses-là. Parce que si quelqu'un, il dit, le ratson, d'accord, le ratson, la volonté. Mais la volonté, comment elle s'allume, la volonté? Pourquoi je vais vouloir? Maintenant, même si quelqu'un me dit, j'ai pas envie. Ça me dit rien, votre truc. Qu'est-ce que vous me racontez? Il faut d'abord être dans, je vais vous dire une chose. La vie, elle nous apprend qu'on est vraiment loin d'être, comme on dit, mouchlam. On est loin d'être parfait. Pas parfait. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des carences, mais des choses qu'on ne comprend même pas. Donc, ça veut dire qu'il nous manque des éléments. Qu'on a besoin que si on les avait, on vivrait les choses différemment. Donc, si une personne, elle prend déjà conscience de ça, c'est déjà quelque chose de grand. Après, ok, il me manque. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reste les bras croisés? Non.
je vais commencer à réserver un temps tous les jours où je vais demander et je vais chercher. La recherche, elle se fait chaque seconde de la vie, même quand on travaille. On est au travail, on s'occupe de la maison, on s'occupe de la famille, on s'occupe mais de... Mais comment on sait quels éléments qui nous manquent? On n'a pas besoin de savoir, on doit les chercher. On sait qu'il nous manque. On sait qu'il nous manque, on n'a pas besoin de... Hey, si vous saviez les éléments qui vous manquaient, alors c'est bon. Non, on doit les chercher. Maintenant, on les cherche, on demande, on prie pour, et on les cherche. Et bien entendu, l'aboutissement, c'est d'arriver chez le tzaddik, que lui, il nous donne... C'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est incroyable, incroyable. C'est pas... Excusez-moi, c'est... Oui. Rabbi Likouet, dans la Torah 188, donc, de Rabbi Nathan dit deux choses. Il dit que donc, tu nous as dévoilé que toutes nos pertes, celles de chacun d'entre nous, résident auprès des vrais tzaddikim. Ouais. Donc quand on va chez le tzaddik, on lui demande de retrouver nos pertes, ouais, de récupérer nos pertes. Bien sûr. Et la deuxième phrase, c'est « À plus forte raison, nous ignorons tout de la voie à suivre afin de demander et de rechercher auprès de lui toutes nos pertes abondantes et terribles qui concernent chacun d'entre nous. » Voilà. Donc, c'est on demande de tzaddik, mais en fait, on ne sait pas exactement comment... Mais on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin. C'est pas besoin de savoir. On sait que si on va les chercher, on va les demander, Hachem, à la fin, on va y arriver, ça c'est sûr. On n'a pas besoin de savoir. C'est pour ça que le but de sur Terre, c'est pas... Encore une fois, on se fait rouler tous les jours. Il faut trouver, il faut faire... Le tzaddik fait le travail. Est-ce que ça veut dire que quoi qu'on fasse, on cherche... Est-ce que ça veut dire que quoi qu'on fasse, quelque part inconsciemment, on cherche, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ce qu'on a appris ce soir, c'est d'être conscient. Oui, c'est-à-dire que deux secondes. Est-ce que c'est exactement ça, tout le monde cherche. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Quoi qu'on fasse. Comment? Quoi qu'on fasse. Oui, mais on est en recherche. On est en recherche, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors que là. Mais on ne sait pas. Mais oui, mais là, on sait ce qu'on cherche. On cherche nos pertes. Voilà. C'est ça. Parce qu'une personne, elle peut avoir une soif de chercher, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut chercher. Alors que là, le tzaddik, il nous a expliqué exactement. Il va avoir des montées. Ça a du sens. C'est ce que vous voulez dire. Ça a du sens et ça allume complètement la vie. C'est-à-dire que maintenant, je me lève le matin. Ok, c'est pas encore un jour comme un jour d'hier. Mais comme on dit, nos jours sont comptés. C'est tout. On a un nombre de jours sur Terre. Ils sont comptés. Mais ils sont comptés pourquoi? Ils sont comptés parce que je dois chercher, je dois demander. C'est tout. C'est compliqué à comprendre, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'une perte, par exemple? Voilà. Je ne vais pas entendre la notion de recherche. Regardez, madame. On vient avec une âme, d'accord? Et c'est comme si je vous dis maintenant, qu'est-ce que c'est une âme? Je ne sais pas c'est quoi une âme. Une âme, c'est quelque chose de divin, d'accord? Maintenant, cette partie divine qu'on met en nous, il y a des éléments, il y a des parties qui manquent. Voilà. Il manque. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est sûr une chose, c'est que ça veut dire que j'ai une âme qui est malade. Elle est malade. Maintenant, moi, je cherche les pertes qui vont me permettre à guérir. Je veux guérir. Maintenant, je suis sur le chemin. À partir du moment où je cherche et je demande, alors je suis sur le chemin de la guérison. C'est tout. C'est clair. Donc, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire une chose, et ça, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est que quand vous allez à Oman, quand vous allez là-bas et que vous vous trouvez, vous savez pas ce qui se passe. Mais le tzaddik, tac, il enlève un petit voile. Il vous dévoile une partie de votre personnalité que vous connaissiez même pas du tout. Ça s'appelle une perte qu'on a reçue. Et là, on voit les choses complètement. Ça y est. Là, on nous donne de, écoute, regarde. C'est comme si que maintenant vous les lunettes multifocales. Vous arrivez à voir de loin, de près, et c'est vraiment harmonieux. Mais c'est pas fini. C'est toute la vie. C'est pas fini. C'est des éléments. Voilà. Il faudrait... quand parfois on peut ressentir un manque, par exemple, c'est qu'on a une perte. Écoutez, encore une fois, si on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, c'est qu'on sait très très bien qu'on cherche quelque chose. D'accord? On cherche quelque chose. On cherche un mieux, on cherche une guérison. On est le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit... Ce monde-là, c'est un hôpital.
Ok, c'est tout. Le monde entier, c'est un hôpital. Et toutes les âmes qui arrivent là-bas, ils arrivent sur Terre, qui s'appelle l'hôpital. D'accord? Donc, un hôpital, c'est quoi un hôpital? Un hôpital, c'est pas un truc de, c'est pas le club méditerranéen. C'est pas on vous fait des jus d'orange et on vous fait le manicure, pédicure et ça en fait pas ça dans les autres, dans l'hôpital. L'hôpital, la personne, elle est sur un lit et puis elle voilà. Et on lui donne des soins, des trucs, machin, et voilà. Alors, c'est un hôpital, un hôpital. Maintenant, chacun, il a besoin. Maintenant, comment je fais pour guérir de cet hôpital? Je suis obligé de chercher les éléments qui me manquent. Point. Je les cherche. Je les cherche et je demande. Voilà, les amis. Comment? Ouais. Ravi Cohen, bonsoir, c'est Josiane. Bonsoir. Est-ce que l'on n'est pas à la recherche des étincelles de lumière? Appelez ça, regardez, appelez ça comme vous voulez. Rabbeinu, il appelle ça des avedotes, des pertes. Oui. Point. Voilà, des pertes. Imaginez-vous maintenant, je vous donne un exemple. Vous êtes sur l'autoroute ou même sur un chemin, une départementale, et que vous avez des choses avec des ballots sur une voiture. Et puis que petit à petit sur la route, tu vois, il y a des trucs qui tombent, tac, allez, un chandelier, un truc, et vous vous rendez pas compte, et vous, vos trucs. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller chercher mes pertes. Alors je dois revenir en arrière, je dois aller chercher. Peut-être qu'il y a un truc qui est tombé, j'ai perdu. Mais ça m'appartient, j'en ai besoin. Je peux pas, j'ai besoin de ça pour vivre, pour traverser cette existence, j'en ai besoin. Et pour la suite aussi, j'en ai besoin. En fin de compte, la démarche chez le tzaddik peut nous faire trouver les pertes. Non, c'est pas la démarche. Écoutez, ce qu'on vient d'étudier ce soir, c'est qui c'est qui parle, qui c'est qui nous dit ça, qui, non, mais franchement. Josiane. Non, je dis cet enseignement, qui c'est qui nous le dit? Qui c'est qui, à part Rabbi Nachman, je veux dire, c'est des choses qui sont essentielles. Il nous dévoile des choses extraordinaires, extraordinaires. Moi, je l'ai vécu chez un tzaddik, alors. Bon, Hachem, c'est sûr. Franchement, le cours que vous donnez ce soir, je le ressens profondément. Bon, Hachem. Merci. Avec grand plaisir. Bezrat Hachem, qu'on puisse chercher nos pertes. Chacun, voilà, on nous donne. C'est simple. C'est simple et c'est clair. C'est simple et c'est clair. Mais vraiment. Parce que maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi mes pertes? C'est comment je commence à dire, mais c'est quoi les pertes? Et c'est quoi que je dois chercher? Non. Qu'est-ce que c'est chercher ses pertes? Non. Mais comment vous voulez appeler ça? Vous l'appelez quoi? Il me manque des choses. C'est comme, par exemple, deux secondes. C'est comme si maintenant vous faites un puzzle et que maintenant, j'ai perdu des éléments. J'ai perdu des morceaux de puzzle. Comment vous allez? J'ai perdu des pièces. Ça s'appelle des pertes. Oui. Voilà. Et maintenant, il faut que je les retrouve. Tout à fait. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est pour ça qu'on demande à Rabbi Nachman de nous rendre ce qu'on a perdu. Bien sûr, c'est là-bas, parce qu'encore une fois, le tzaddik, il a fait ça pour lui, il est arrivé au paroxysme. Donc maintenant, il doit le faire pour tous les autres. C'est ça son travail. Et celui qui va demander là-bas, il les reçoit. Mais il faut aller les demander, hein. Il faut aller les demander. Ça voilà. Fait pas peur de retrouver les pertes? Je crois que ça fait plus peur de pas les avoir, hein. De pas les avoir. Oui. De vivre, c'est une existence un peu, c'est pas très. Elle est plate et puis elle est monotone surtout. Les gens, ils vivent une vie que j'ai encore un jour, encore, mais alors que c'est ça la vie. D'attendre quoi? On attend quoi? On attend la fin? C'est quoi? On attend quand après on part, ah ça y est, c'est le moment, ah oui, ah très bien. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de chercher la guérison, pourquoi? De faire des provisions parce que ça continue après, c'est pas fini. Voilà ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous dit Rabbeinu, c'est tout. C'est dans ce sens. Oui. Est-ce que ça veut dire que les tzaddiks, à la fin de leur vie, ils ont récupéré toutes leurs pertes? Évidemment. S'ils sont tzaddiks, c'est évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, c'est pas tout. C'est qu'ils ont récupéré, qu'ils aident les autres à récupérer aussi. Voilà, les amis, Bezrat Hachem. Merci beaucoup. De toutes les façons, je vais vous dire une chose pour terminer. Tout ce qu'on étudie, c'est une base de recherche, les amis.
Faut pas essayer maintenant de prendre, ouah, chercher quoi, les pertes, les, ah, oh, c'est très grand, c'est très, non. C'est de prendre les choses maintenant, chacun, voilà, je sais pas ce que vous faites chacun, allez dans un coin maintenant, et dire, voilà, on a pris un truc ce soir, maintenant je veux, Hachem, mets-moi sur la direction, voilà, je cherche mes pertes, donne-moi le mérite que je puisse retrouver ces pertes que je cherche, mets-moi sur la direction de, faut réécouter le cours avec les, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le cours qui sont, il y a une, c'est pas juste des, il y a une suite qu'il faut bien comprendre, Bezrat Hashem. Alors voilà les amis, je vous souhaite Shavua Tov. Je voulais vous dire, Rabbi Likoen, je voulais vous dire que les deux cours que vous avez fait sur les Tehilim, alors là, ça m'a il faut s'accrocher, de toutes les façons, les Tehilim et ce qu'on a étudié, ça va complètement dans ce sens-là. Complètement. Parce que Rabbi Nachman, il dit que quand on fait celui qui est assidu dans la diction des Tehilim, à la fin, il va comprendre pourquoi il est venu sur Terre. Il va comprendre le but de ça. Donc, c'est tout est lié. C'est la même chose. Voilà, les amis. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov. Je faut que je le monte maintenant. Bezrat Hashem, très vite, Bezrat Hashem. Merci. À très bientôt. Au revoir.